Bonjour à tous. Nous avons un temps qui s'annonce très calme tout au long de ces prochains jours, mais avec beaucoup de brouillard et de nuages bas sur le pays. Regardez déjà le pas des belles éclaircies qui sont arrivées au fur et à mesure de la journée. Alors, nous avons les restes de notre perturbation qui part maintenant vers l'Europe centrale et donc notre anticyclone qui est en train de regonfler sur l'ensemble du pays. Il y a beaucoup de brouillard, de nuages bas qui s'accrochent encore dans les basses couches de l'atmosphère tout au long de la journée. Quelques averses également sur l'extrême sud-ouest et sur le sud-est de la France, avec de la neige, des 1000 mètres d'altitude. Les températures, vous l'aurez compris, ont bien baissé déjà par rapport à ces derniers jours. On est à 7-8 degrés sur l'est, quand la douceur résiste encore pour l'ouest de la France. Ça s'annonce temporaire. Dès demain, va vraiment changer de régime avec l'anticyclone qui sera plus présent sur l'ensemble du pays. De plus belles éclaircies déjà vers la Méditerranée. Ces brouillards, ces nuages bas qui vont s'accrocher tout au long de la journée sur les régions du nord et du nord-est en particulier. Nous avons quand même de belles éclaircies qui reviennent vers la pointe bretonne, vers la pointe du Cotentin également. Et puis ce petit vent qui va se lever, notamment le Mistral, jusqu'à 50-60 km/h pour les caps les plus exposés. Les températures, c'est la fraîcheur qui va dominer votre matinée. Et cette fois-ci avec 4-5 degrés, dégelé probable au cœur des campagnes. Et dans le courant de l'après-midi, les températures vont baisser pour tout le monde. Cette fois-ci, on sera aux alentours de 8-9 degrés à l'échelle nationale. Et cette situation va persister tout au long de la semaine avec jeudi encore ces brouillards, ces nuages bas qui s'accrochent sur le nord-est. Vendredi, ça va résister sur les régions du nord. Et finalement, notre petite goutte froide qu'on voyait encore hier, eh bien, sera bien plus éloignée que prévu. Donc un temps plus calme en Méditerranée est attendue. Ce sera le cas encore pour votre week-end, samedi et dimanche, avec quelques gouttes de pluie qui pourraient circuler sur le sud, plus calme sur le nord-est. Et dimanche, la situation va rester quasi inchangée et vous le voyez pour tout le monde, les températures s'annoncent plutôt hivernales. Je vous emmène maintenant de l'autre côté de la journée en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie. Très bel après-midi à tous.